Nous pouvons chapitre vectors part 4, subtopics, vector equation of lines and Cartesian equation of lines, angle between two lines, types of lines, perpendicular, parallel, intersecting and skew, foot of perpendicular from a point to a line et shortest distance from a point to a line. Premier subtopic, vector equation of lines and Cartesian equation of lines. Nous devons comprendre tous les deux et convert. Comment nous faisons vector equation vin Cartesian equation et comment nous faisons Cartesian equation vin vector equation. Alors, equation of a line, nous trouvons dans deux catégories. Première, c'est Cartesian equation of lines. Ce general format, le y is equal to mx plus c, where m représente gradient of the line. C, c'est y-intercept of the line, et x et y, c'est même coordinates of points on the line, cette relationship qui est connectée avec sa equation là. Alors, Cartesian equation of a line, lui donne nous relationship qui est là entre ben point qui est dans la ligne là, cette coordinates x et y. Et vector equation of lines, ce general format, r is equal to a plus lambda b, where a c'est position vector of any given point on the line, B c'est direction vector of the line, R c'est XY, c'est position vector of points on the line, il donne nous ce relationship, sa equation là, et que lambda c'est paramètre, il y a un paramètre que each point on the line has its own value of lambda. Et que vector equation of lines, il donne nous relationship qui est entre tout bon point, la ligne là, de position vectors. Question n, given that the vector equation of a line in two dimension is r is equal to 2, 3 plus lambda 1, 2, find its Cartesian equation. Alors, in an line, so vector equation in the new, so vector equation, the r is equal to 2, 3 plus lambda 1, 2. Alors, question n, define Cartesian equation of the line. Alors, méthode n, ne vous passe pas méthode n. La méthode n, pareil comme on a un petit fait, nous avons deux points sur coordonnées sur la ligne là. Qui nous capable faire? Nous capable gagner deux points sur position vecteur. Alors nous capable remplacer deux valeurs lambda différentes. Par exemple, lambda égale à 0. Si nous faisons li, et pour venir 2, 3, alors on gagne point sur position vecteur sur la ligne là. Alors si n point sur position vecteur sur la ligne là, li 2, 3, veut dire que ce point là sur coordonnées pour 2, 3. Next, nous capable remplacer une autre valeur lambda. Si nous remplaçons valeur lambda par n, par exemple, et pour venir ici 2, 3 plus n fois n2. Alors, le point R égale 2 plus n fait 3 et 3 plus 2 fait 5. Déjà, nous gagnons deuxième point ici sur coordinates 3, 5. Alors, quand on a deux points sur coordinates de la ligne, nous sommes capables de rôder sur Cartesian equation. Alors, n point c'est d3 avec l'autre point là, c'est 3, 5. Next, ça nous mettait x1, y1, x2, y2. Pareil, comme dans le chapitre coordinates, comment on rôde equation of a line, premier, nous rôde gradient. Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Alors là, on peut venir 2, on va venir N, 2 divisé par N fait 2. Next, an equation en la ligne reste dans le format Y égale MX plus C. Alors Y is equal to M, nous gagnons 2, X plus C. À ce pour nous gagner C, nous prenons N points parmi ça de là, nous remplaçons X et Y coordinate ici. Alors si nous faisons les venir, Y là nous remplaçons par 3 égale 2 fois 2 plus C. 3 égale 2 fois 2 fait 4 plus C, C pour venir, 3 retire 4 fait négative N. Alors, Cartesian equation of the line, li Y is equal to 2X plus C nous gagne négative N. Ça c'est réponse. Alors, sa méthode là, li limitée parce qu'en 2 dimension, ni correct, mais si li type 3 dimension, ça pour nous avoir l'équation of the line, il vient un peu difficile. Capable faire li, mais li difficile. Alors, nous avons besoin de deuxième technique, une deuxième méthode pour faire même devoir. Alors, deuxième méthode là, comment elle était? Nous reprend, ça c'est méthode 2. Alors, méthode 2. Nous prenons vector equation of the line. Alors, vector equation of the line, the r is equal to 2, 3 plus lambda 1, 2. Alors, r nous connaît, ça c'est position vecteur, ben point de la ligne en général. X, y is equal to 2, 3 plus lambda fois n2. Ok, alors x, y is equal to. Ici, vous venez 2 plus lambda. En bas, vous venez 3 plus 2 lambda. Là, si nous équate x components, vous venez x is equal to 2 plus lambda. Et y, vous venez 3 plus 2 lambda. OK.
Alors, nous objectif qui était ici, qui ça veut dire Cartesian equation of a line, l'hyperordonne relationship, une équation qui donne une relationship qui est là en tout bon point de la ligne de x et y coordinate. Alors, nous avons une équation qui connecte tout bon x et y coordinate ben point de la ligne. Nous avons besoin d'une équation comme ça qui connecte x et y. Alors là, nous trouvons une équation, un allié de nous x sur relationship, l'autre de nous y sur relationship, mais qui nous trouve en commun là-dedans, c'est lambda. Si nous faisons lambda vin subject of formula, il y a x minus 2. Ici, si nous faisons lambda vin subject of formula, il y a une. Ici, si nous faisons lambda, il y en a n devant. Right, il y a une x minus 2 divisé par n. Ici, lambda pour une y minus 3 divisé par 2. Alors, comment nous équate ça de là? Parce que c'est même pas les lambda. Quand nous équate ça de valeur lambda là, nous finissons une équation. Alors, il y a une x minus 2 over 1 is equal to y minus 3 over 2. À cette ça équation là, si nous cross multiply, nous simplifier, réponse finale pour venir y égale to 2x minus 1, nous gagnons nos réponses. Ok, ça c'est comment nous gagnons Cartesian equation of a line si nous connaissons vector equation. Alors next, nous capable gagner réponse à direct si nous faisons une observation. Alors de, nous get format équation là ici, ça c'est Cartesian equation. Cartesian equation. En bas là aussi du Cartesian equation, mais nous faisons venir de format y égale mx plus c. Alors qui nous capable observer ici? De Cartesian equation, nous trouvons x minus 2, et que ça de là, li, sa position vecteur là sur x coordinate. À droite, il y a y minus 3, alors ça c'est y minus 3, alors ça 3 là c'est y coordinate ou y component de nos position vecteur ici, de nos vecteur equation. Et n et 2 côté sorti, ça c'est sa direction vecteur là sur x et y coordinate. Alors nous capable conclure ici, si, alors qui conclusion nous tirer? Si nous avons une vector equation of a line, il doit format R is equal to, ici nous avons mis A1, A2, plus un lambda, ici le B1, B2. Alors si vous appliquez même méthode, vous pouvez trouver qui Cartesian equation là, nous pouvons gagner directement si nous faisons x minus, nous prenons x coordinate ici A1, over B1 is equal to, là nous faire y minus y coordinate ici de A2 divisé par y coordinate de nous direction vector de B2. Alors ça c'est une technique comment nous capable gagner Cartesian equation depuis vector equation. Question 2 ici given that the vector equation of a line in 3 dimension is ça find its Cartesian equation. Alors qui nous capable faire une méthode c'est alors là nous remplacer par x y z is equal to, nous combine ça deux vecteurs, il y a n plus 3 lambda, 2 plus lambda et 3 plus 4 lambda. Next, ce qui nous capable de faire, nous équate ce même components là, x pour n plus 3 lambda. Si nous faisons lambda, nous subject of formula, il y a x minus 1 over 3. Next, nous équate y components, c'est 2 plus lambda égale x égale y. Alors, si nous faisons lambda, nous subject of formula, il y a y minus 2 divided by 1. Si nous créons z component, c'est 3 plus 4 lambda égale z. Ici, si nous faisons lambda, nous subject of formula, il y a z retire 3 sur 4. Next, si nous créons ça 3, valeur lambda là, il y a x minus 1 over 3 is equal to y minus 2 over 1 is equal to z minus 3 over 4. Alors, ça c'est Cartesian equation of the line. Ça c'est Cartesian equation. Alors, nous sommes capables de gagner une réponse directe. Comment nous sommes capables de gagner une réponse directe depuis nos vecteurs equation? Nous disons x minus, nous prenons x component de nos positions vecteurs, c'est n, sur x component direction vecteur 3, égale, nous prenons y minus 2, over, ici dit n, ça est égal. Next, nous faisons z minus 3, over, ici dit pour 4. Ok, get nous gagnons nos réponses directes si nous passons par méthode directe. À ce moment-là, un issue s'y est arrivé, n parmi sa trois components-là de direction vecteur est 0. Là, il y a un issue, nous ne pouvons pas faire ça direct, nous pouvons passer par sa méthode-là. Si vous trouvez dans notre worksheet, nous avons une question là-dedans, que vous trouvez n components à l'heure de 0, c'est-à-dire que le dénominateur là pour venir 0, là, il gâte sa équation-là. À ce moment-là, nous comprenons sa équation-là qui signifie. Alors, rappelle bien qu'il est en 3D, ça veut dire un point de coordonnées sur la ligne pour la x, y et z coordonnées. Alors, comment il était? Vous pouvez trouver que de sa équation, il y a trois équations qui connectent. Première équation, c'est l'équation de ça.
On a trois équations, on a x retire 3, x retire n sur 3 égale y retire 2 sur n. Ça, c'est n equation. Next, on a une deuxième équation, si vous créez ça là. Y retire 2 sur n égale z retire 3 sur 4. Next, on a une troisième équation, si vous créez ça là, vous pouvez x minus 1 over 3 is equal to z minus 3 over 4. Veut dire, on a trois équations qui connectées ici. Alors, ça, trois équations là, qu'est-ce que ça? Tout dépend qui te peut envie connaître. Tu as envie qu'une relation entre x et y te service à équation là. Tu as envie qu'une relation entre y et z te service à équation là. Sinon, on envie qu'une relation entre x et z coordonnées te service à équation là. Quand les gens te disent que nous avons x et y, ça veut dire que nous avons une seule relation entre x et y. Ici, nous avons trois relations. X comment relate à y, x comment relate à z, y comment relate à z. Donc, on a tout ici. Alors, si arrivé, on a un point. Ou qu'on n parmi x, y ou z coordinate, par exemple, qu'on x égale n, ou qu'on remplace x égale n là-dedans, on a y. À ce ou qu'on remplace x égale n là-dedans, on a z. À ce si qu'on y ou envie qu'on z, on remplace y là-dedans. Alors, on a trois relations. Alors, ça, c'est l'important, ça, equation là. Donc, on va faire pas longue méthode, on nous fait les direct. Alors, quand on fait les lignes directes, les lignes x retire n sur 3, y retire 2 sur n, et z retire 3 sur 4, nous écrivons tout. Ça, c'est Cartesian equation of a three-dimensional line. Et comment on dit, si arrivé n parmi x, y ou z component de direction vector de 0, là, il y a une autre façon où vous avez un passeport sa longue méthode là, donc vous avez un worksheet. Question 3. Given that the Cartesian equation of a line in two dimensions is y is equal to 2x plus 1, find its vector equation. Alors, pour faire ça, des voilà, on a une technique. Où on a une ligne sur l'équation, ou qu'on parle de deux points sur coordinates. Alors, si on a deux points sur coordinates, là, avec ces deux points-là sur coordinates, si on a deux points sur position vector, là, on capable de road vector equation of the line. Si on a deux points sur position vector, fait que on a un point A pour finir comme sur coordinates x1, y1, ou pour un point B pour finir comme sur coordinates x2, y2, on a deux points la ligne là, la vector equation pour finir un point sur position vector la ligne là, plus lambda, là, road direction vector of the line, et bien AB. Alors, ça, c'était une technique. Mais nous avons envie de faire une technique directe. Nous en apprenons. Si un vector equation est dans ce format là, a1, a2, plus lambda, b1, b2, là, si nous retrouvons ce Cartesian equation, nous avons x minus a1 over b1 is equal to y minus a2 over b2. Alors, ça, c'est une technique qui nous va appliquer. Ça nous fait les reverse way. Si nous faisons le reverse way, si le Cartesian equation dans ce format là, il est là où capable de gagner ce vector equation directement. Mais quand nous observons le Cartesian equation qui nous donne, le y is equal to 2x plus 1 n'est pas dans ce format là. Alors nous essayons de faire le vin dans ce format là. Nous avons n à gauche, le vin y minus 1 is equal to 2x. Nous avons 2 à gauche, le vin y minus 1 over 2 is equal to x. À ce x là, nous sommes capables de comme x minus 0 over 1. Alors, l'équation est x minus 0 over 1 is equal to y minus 1 over 2. Ok? Alors, là, nous trouvons le format correct. X minus 0, y minus 1 over 1 over 2. Alors, qui peut arriver vector equation of the line? Et vous venez r is equal to position vector là, nous gagnons après moins. Ici, nous venons 0 avec n. Plus paramètre lambda. Et nous gagnons direction vector sur une component. C'est n avec 2. Ça, c'est réponse pour question 3. Question 4. Given that the Cartesian equation of a line in three dimensions is, find its vector equation. Alors, si nous gagnons format là, x minus, après moins ça qui est important, on a n sur 2, ça correct, égal, après on a y minus, on a 3 sur 5, égal, après z ici on a plus, mais puis on a moins. Alors, nous cassons ça plus là entre moins et moins, là 2, là ici, il peut venir 3. Alors là, nous gagnons nos vector equation. Vector equation of the line, il vient r is equal to, nous prend, ça c'est x component de nos position vector n. Après moins ça, nous gagnons y component. Après moins, ceci nous gagnons négative 2, ici fais attention. Plus lambda fois, ça 3 valeurs là, il vient de direction vector 2, 5, 3. Ça c'est réponse pour question 4. Prochain subtopic, angle between two lines. Alors, si on a deux la ligne, nous connaissons le vector equation. Première, la ligne r is equal to a plus lambda b.
Et deuxième la ligne là, sur l'équation de O is equal to C plus mu D. Ici, ce paramètre est mu. Alors, ligne demande angle between the two lines. Alors, comment nous faire ça? Nous pouvons prendre ça deux direction vectors là. Et nous appliquons une formule. Cos of theta is equal to, nous prenons direction vector of the two lines, B dot D. Nous faisons dot product divisé par the length ou magnitude the product. Là, nous pouvons gagner angle theta. Alors, nous pouvons un exemple. Question 5. The vector equations of two lines are given as. Alors, ici, la line A. Alors, ça, c'est line A. Et line A, ce équation de nous, R is equal to 1 to 3 plus lambda times 2 to negative 1. Ça, c'est line A. Next, c'est la line B. Line B, ce équation de R is equal to 2, 3, 5 plus mu times 3, 6, 2. Alors, il peut y avoir angle between the two lines. Comment nous faire ça? Nous avons besoin de prendre ça de la ligne dans notre direction vector. Première la ligne 2, 2, negative n. Deuxième la ligne 3, 6, 2. Alors, nous pouvons faire cos de angle theta, il peut égal. Nous faisons dot product entre ces deux vecteurs. Nous avons 2, 2, negative n. Avec 3, 6, 2. Divise par product des autres modulus. Alors, premier là, ce modulus, c'est pour venir 2 ce square plus 2 ce square plus negative n ce square. Fois deuxième là, il peut 3 ce square plus 6 ce square plus 2 ce square. Alors, cos of theta pour égal, là où il peut venir 16, en bas il peut venir 21, là la theta peut venir cos inverse de 16 sur 21. Si nous évaluons, la réponse peut venir 40.4 degrés. Next, nous pouvons get types of lines. Alors, qui ben types of lines nous pouvons get? C'est perpendicular lines, parallel lines, intersecting lines, skew lines. Alors, n par n, premier nous pouvons get perpendicular lines. Alors, si de la ligne est perpendiculaire, veut dire angle entre zut li 90 degrés. Et si nous connaissons ça de la ligne là, zut vector equation, là, si nous faisons dot product entre zut direction vector, il peut bien égal 0. Ça, c'est une façon pour checker si de la ligne Z perpendiculaire. Alors, nous avons un exemple. Question 6, et dans line A et line B. Allez, show that line A and line B are perpendicular. Nous pouvons bien prendre direction vectors, ce qui vecteur qui est connecté avec notre paramètre. Alors, premier là, n négative n2. Deuxième là, négative n, n, n. Alors, comment nous pouvons confirmer si ça de la ligne est perpendiculaire? Si nous faisons dot product entre ces deux direction vectors là, il peut bien venir 0, nous check li. Il vient n fois négative n, plus négative n fois n, plus 2 fois n. N fois négative n fait négative n. Négative n fois n fait négative n, plus 2 fois n fait 2. Il vient négative 2 plus 2, et négative 2 plus 2, réponse vient 0. Alors, hence, we confirm that line A n line B are perpendicular. Deuxième types of lines qui nous pourrons guetter, c'est parallel lines. Alors, si de la ligne est parallèle, alors, première façon, nous pouvons checker si direction vectors of the lines are equal. Alors, première, la ligne est sur direction vector, et deuxième, la direction vector, c'est pareil. Alors, si B égale D, là, nous confirmons qu'il s'agit de la ligne parallèle. Ou, en une deuxième façon, si arrivé, ce deux direction vectors pas pareil, mais en là, il y a un scalar multiple de l'autre là, veut dire ce deux direction vectors parallèle. C'est ça, là, ce direction vector et ça, là, même ce pas pareil, en là, qui a plus long que l'autre là, mais si ce parallèle ou en là, il y a un scalar multiple de l'autre là, allez nous confirmer que ça de la ligne est dans la même direction. Alors, ça de la ligne est pour parallèle. Alors, si B is equal to K times D, là, nous confirme que ça de la ligne est parallèle. Alors, on a deux façons pour checker si de la ligne est parallèle. Alors, nous avons une question, question 7. Ça, c'est deux équations. On a line A sur équation et on a line B sur équation. Alors, nous avons tous les deux direction vecteurs. Premier, là, il est 4, 2, 8. Le tas de direction vecteur, il est 2, N, 4. Alors, nous avons show that line A and line B are parallel. Alors, nous trouvons qu'ils ont des direction vecteurs pas pareils, mais nous checkons ça. Est-ce que 4, 2, 8 qui égale un scalar multiple de 2n4? Est-ce qu'il nous capable de gagner un chiffre qui peut satisfaire tous les trois composants? Alors, si nous ne pouvons pas gagner directement, nous pouvons mettre le K ici et le Rodli. Et nous avons besoin de la même valeur K avec tous les trois composants. Alors, nous avons 4, 2, 8 égale, nous pouvons scaler en 2K, K et 4K. Alors, nous checkons.
que nous pouvons équer x components 2k/24 divisé par 2 fait 2. Si nous équer y components 4/22 et si nous équer z components 4k/8 de la k/22. Nous trouvons qu'il nous gagne même valeur k avec qui satisfait tous les trois components. Alors nous trouvons que n la sous direction vecteur est pour deux fois le tel la sous direction vecteur. Alors nous confirmons que line A and line B are parallel. Next, si arrivé de la ligne là, il n'est pas parallèle. The non-parallel lines, là, il y a deux options. Soit je peux intersecting lines ou je peux skew lines. Alors, intersecting veut dire que je peux joindre côté un point, je peux un point of intersection. Skew, c'est se opposer. Alors, je ne peux pas intersect parce qu'on n'a aucun point of intersection. Alors, si il y a de la ligne qui intersecte côté un point et que nous avons de la ligne cette vector equation, alors, if the two lines intersect, we should be able to find the coordinates of the point of intersection. Alors, nous essayons de gagner sa point of intersection à ce position vector. Comment nous faire ça? Nous avons besoin d'équater sa deux equations. Alors, nous disons A plus lambda B is equal to C plus mu D. Là, next, ce qui peut arriver, nous pouvons gagner, s'il y a 3D, nous pouvons avoir trois components X, Y, Z qui nous pouvons équater. We should be able to get a single value for lambda and a single value for mu, which when replaced back in their respective original equation will result in the same position vector. Alors quand nous pouvons solve ça, nous pouvons avoir trois components qui nous pouvons équater. Avec ces trois components, nous avons un seul valeur lambda et un seul valeur mu qui quand nous pouvons remplacer sa valeur lambda là dans sa equation là et que nous remplacer sa valeur mu là dans sa equation là, il peut donner nous même position vector. Alors il y a un point of intersection. This position vector is the position vector of the point of intersection. Alors, sa position vector qui nous peut gagner là, quand on remplace sa valeur lambda là avec mu là ici, il peut position vector of the point of intersection. If this is not possible, si nous ne pouvons pas réussir à gagner une valeur lambda et une valeur mu qui peut donner un point commun, là nous disons que ça de la ligne à skew.